Yo les Dailystes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous savez, j'adore faire. Une vidéo un petit peu en avance où on découvre ensemble simplement le contenu du display. Et en plus de ça, une display que j'attendais particulièrement. Explosion de la destinée avec beaucoup de cartes qui m'intéressent à l'intérieur. On va notamment retrouver les nouveaux archétypes Sword Soul et Fynderese, qui sont simplement deux archétypes qui sont pas mal attendus, mine de rien. Et après on a un wagon de support bien trop attendu. En fait tout ce qui est à l'intérieur, quasiment, il m'intéresse. On a du Despia, on a du Borel, on a du Atinister, on a du Héros de Destinée avec la fusion que je vous ai déjà présentée sur la chaîne, du Coléotroop, du Sushi et même du support Pingouin. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un set principal, donc du coup, on aura des secrets rares et peut-être même une Starlight, c'est vraiment, on a de la chance. Et eh bien, tout simplement, c'est une extension qui sort le 4 novembre 2021. Donc voilà, c'est une extension que j'ai vraiment la chance de pouvoir ouvrir avec de l'avance. Et ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci Konami. Voilà, j'espère pas grand chose à vous dire de plus. L'extension est folle, il y a trop de trucs qui m'intéressent à l'intérieur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement ouvrir ces 24 boosters, let's go. Nous voici donc sur le second plan. Pour l'instant la display encore c'est de l'aide, mais ça va pas durer longtemps. Le nouveau Borel qui est juste ici, qui a l'air vraiment magnifique. Renforcement des Borel et puis explosion de la destinée juste ici. Donc évidemment on a 24 boîtes et 9 cartes bien simplement par pack. On ouvre ça rapidement et on se retrouve juste après pour bien simplement le déballage des boosters. Tac, on a notre petite display, on a nos boosters qui sont juste ici. Bah, écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on y aille directement et on s'ouvre ce premier booster ensemble. Alors, on commence avec Fengli, le Sol Drapom. Là, vous le sentez déjà que je vais déjà galérer à lire les noms. Chien Marie exceptionnel, c'est un niveau 1 bête. Mia Reptilia, donc encore du support reptile. C'est vrai qu'on a du support reptile qui arrive quand même pas mal depuis environ un an, donc c'est plutôt une bonne chose. Insecte mangeur d'homme imitateur. Oh, c'est un artwork qu'on avait. C'est un artwork de Yugi, quoi, tout simplement. Ça fait vraiment plaisir. Marqué en rouge, mais oui, c'est vrai, le support d'Espia, je l'ai complètement zappé. C'est donc une super rare, donc c'est de la magie de fusion, magie rapide, et je suis très content de l'avoir. Voilà, on commence avec le premier booster, et je suis trop content d'avoir eu cette carte-là. Il m'en faut un playset, donc voilà, donc je suis super content. Cyborg, c'est un Cybers, qui va pouvoir... si vous ne contrôlez qu'un monstre, tu peux l'invoquer spécialement en défaussant une carte Cybers. Tous les monstres Cybers perdent 500 d'attaque. Il y a 2400, c'est toujours intéressant. Roger Reptilia, et on termine avec Prédation... Apex, ah non pardon, et Cylindre Magique, qui est donc une carte qui permet de poser Cylindre Magique directement depuis le deck. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Marqué en rouge, je suis très content, c'est une super, ça veut dire que je vais récupérer facilement les cartes. Et en vrai, je sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y avait pas beaucoup de trop grosses raretés pour l'engine d'Espia de base. Et donc le fait, visiblement, on part sur la même base, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vais pas dire le nom, beaucoup trop compliqué, par contre, macro, s'il te plaît. Non, pas macro. Bon, bah pas macro, désolé. Les artworks sont vraiment très jolis. Oiseau transonique. J'aime beaucoup les rituels. C'est vrai qu'on a eu quand même des decks comme Drytron qui ramènent cette mécanique. Et franchement, ça fait plaisir. Verrouillage Magiclé, j'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a du support Magiclé à l'intérieur également. Colt Reptilia, c'est un synthoniseur. Et derrière, bon, on continue avec les Reptilia. Mélusine Reptilia. Qui fait plaisir, hein, tout simplement. C'est un synchro 8, c'est un synchro 8 à 2005 qui nécessite un reptile et un non-reptile. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. C'est la deuxième super de cette bien simplement ouverture. Brise des destinées, première carte destinée que l'on fait tomber. Avec grand plaisir. Du Magiclé, donc du support démon Magiclé. Transporteur d'assaut DD. Oh là là, on a des cartes DD et tout. Franchement, cette extension, elle est tellement remplie de cartes qui vont faire plaisir à tellement de joueurs. Linge plié, donc c'est du support, si j'en crois les artworks, ça fait quand même pas mal de penser au support Dragon Maid. Je suis pas sûr que ce soit vraiment lié à Dragon Maid, mais on retrouve le petit artwork de la nana Dragon Maid, donc pourquoi pas. Écoutez, cette ouverture semble réserver énormément de surprises, et ça c'est plutôt une bonne chose. Héritage de la lumière, Tracker Sonic, qui est une carte, encore une fois, pour tous les oiseaux et tout, qu'on a pu voir depuis le début de cette ouverture. Miani Reptilia, que l'on a déjà vu. Cyanide Cascade, si vous invoquez parmi un monstre lien, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière utilisé comme son matériel, invoquez-le spécialement. Bon, c'est une piège, c'est un petit peu lent, ce serait une magie, ce serait plus intéressant, mais pourquoi pas en soi, pourquoi pas. Et derrière, on a notre première ultra. Et je vous disais quoi juste avant? Je vous disais, j'aime beaucoup la mécanique rituelle, etc. Dragon émeute, charge Borel, 3000 d'attaque, et c'est un rituel. Écoutez, ça fait extrêmement plaisir, franchement, je suis très content de la faire tomber.
Elle est vraiment très très jolie. Franchement, ça fait plaisir. Tac, on va la mettre juste ici. Recronstru Serf, c'est un cyber. Si cette carte est détruite par l'effet de combat, tu peux invoquer spécialement un monstre de ton cimetière. Ok, pourquoi pas. Évaluation MEP. C'est vrai que c'est la première carte MEP qu'on voit dans cette ouverture. Donc, évaluation MEP. Ok, ça fait plaisir. Du support sushi. C'est vrai qu'il y a du sushi également. Je vous en ai parlé en intro, mais on n'en avait pas encore vu. Vraiment, cette extension, elle contient tellement de cartes. On a ouvert 3 boosters. Vous avez vu le nombre d'archétypes qu'on a touché? C'est incroyable. Et derrière, on a eh bien simplement danger, trouble, émeute, donc du support pour eh bien simplement les dungeons. On continue avec tout ça. Jardin des pingouins royaux. Je vous ai parlé des pingouins en intro. Ninja pingouin, incroyable, c'est un flip, donc pourquoi pas. Atterrissage coléotrope, donc la magie pour coléotrope. Écuyer pingouin, vraiment les artworks pingouins sont pas mal en vrai. Hein. Ils sont assez enfantins, ça fait un peu penser au Flufal quoi. Et derrière, on a deuxième ultra, deux boosters, deux ultra, ok, avec bien simplement du support collé aux troupes, insectes, donc du coup, un monstre insecte de level 6, tout simplement, voilà, ça fait plaisir. Chute des étoiles géantes, le cerf qu'on a déjà eu, code de dénotation, donc c'est pour les topologiques, d'accord, ok, et Tinola, jade de glace, ok, l'effet a l'air très long. Mais des fois, ce genre de cartes-là, elles peuvent parfois rentrer en x1 en engine dans un deck et ça peut parfois faire des trucs sympas. Héritage de la lumière, garde des abysses, ok. De monstres hauts, c'est vrai qu'on a un archétype Kraken qui arrive d'ici quelques temps, donc on peut commencer à avoir un petit peu de haut, ça fait toujours plaisir. Sinette, colis croisé, sacrifier mon Cybers, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Ok, pourquoi pas, c'est une magie rapide en plus, donc ça peut permettre d'éviter de passer certaines choses, ça peut être pas mal, Sinette Cascade que l'on a déjà eu, et là on a l'interverrouillage lourd, donc qui est une carte pour, et bien simplement, liée à ça, à mon avis, cette carte est utilisée pour invoquer rituellement Dragon Émeute Charge Borel, ben, c'est typiquement celle-ci en fait, tout simplement, tu dois sacrifier des monstres de ta main ou terrain pour invoquer, ou détruire des monstres roquettes depuis ta main ou terrain, ça veut dire que ça va trigger les effets roquettes, ok, c'est très intéressant, à mettre de côté et à relire par la suite. Les toucans et compagnie bételés que l'on a déjà vu depuis le début. Bataille des magie clés, c'est une magie rapide. Ah, du collé aux troupes, à nouveau, il y a vraiment beaucoup de supports collés aux troupes. Je serais curieux une fois qu'on aura la liste complète de savoir exactement ce qu'il y a. Et on retrouve encore une fois, alors je suppose que c'est un archétype, mais jade de glace. Donc c'est des hauts à quoi, pourquoi pas, écoute, moi j'aime bien tout ce qui est haut, genre j'aime bien Mermail, j'aime bien Barrière de Glace, donc je me dis, du support, si ça peut être un petit peu générique pour rentrer dans d'autres decks et les rendre un peu plus fort, pourquoi pas. Vol de nuit, ok, lancer Cupide, ok, c'est un synchro 4, on sait que le synchro 4 ça se fait quand même assez facilement, on a qu'à voir ce qu'on faisait avec, bien simplement, Herald, un certain nombre, ça a l'air d'être assez générique. Si cette carte est visée, synchronisation, tac, tac, tac... Ok, tu peux moduler le niveau. Bon, ben, à voir. Je pense que ça peut être intéressant comme carte. Bête rustre téméraire, un level de bête, pourquoi pas. Atterrissage que le troupe à nouveau. Et derrière, on a vaisseau amiral ultime usartron. Ça, c'est pour les usurpartiques. Ah non, c'est pour les dritrons. Ah, mais ça va ensemble, le lore. Cette carte est traitée comme une carte usurpartique, usarctique ou dritron. Ok. Bah écoutez, ok, très bien. Peut-être que ça permettra de jouer les deux ensemble, je sais pas, à voir. Roller d'assaut collé aux troupes, le DD qu'on a déjà eu. Flip gelé, un petit Cybers level 1 qui a l'air tout mignon, mine de rien. Et le conduit brave. Une fois par tour, vous pouvez défausser un Cybers, déclarer, tac tac tac. Ok, bon bah super. Il permet de faire taper une carte supplémentaire sur le terrain, donc pourquoi pas, tout simplement. Blackout MEP, je crois qu'on l'a déjà eu. Garde des abysses, on l'a déjà eu. Le clair pingouin, on a vraiment un archétype complet autour des pingouins. Et je connais des joueurs pingouins, donc je pense que ça va leur faire extrêmement plaisir. Le oiseau transzonique. Et derrière, on a, ils sont vraiment beaux. Dragon du double distributeur. Vous pouvez sacrifier cette carte, cibler deux roquettes dans le cimetière de noms différents. Tu les invoques spécialement en position de défense. Tu peux bannir cette carte du cimetière, ajouter amorce rapide ou verrouillage lourd depuis ton deck à ta main. Elle fait vraiment trop le café, vraiment. Ça a l'air incroyable. Et tu peux utiliser qu'un seul de ses effets par tour. Bah écoute, franchement, moi je suis trop content. Vous savez que j'adore Dragon Link. Je suis trop content d'avoir ce genre de carte. Dritron Usarctique. On revient encore une fois à ce que je vous disais juste avant avec la fusion juste ici. MEP. Le danger qu'on a déjà eu et l'apex qu'on a déjà eu également. Bon, on a eu deux ultras et mine de rien, l'ouverture est déjà pas trop mal. Reptilia, seigneur de guerre, Gold Knight, ok, ça marche, c'est un gémeau, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de gémeau, mine de rien. Du sushi, ok, très bien. Vol de nuit, d'accord. Et zone de danger surnaturel, très bien.
Et on a l'impression de voir ici un dinosaure. Je crois pas qu'on a de Danger Dinosaure. Ça veut peut-être dire qu'on aura des nouveaux Danger dans quelques temps. Du sushi qu'on a déjà eu, du jade glace, Roger Reptilia et le con du brave qu'on a déjà vu également. Alors, du sushi, le seigneur Genosis qu'on a déjà eu également, bête rustre qu'on a déjà vu. Celui-là, alors je vais essayer de vous lire le nom, tiens. Fuvagabombrise Estrie. C'est beaucoup trop compliqué pour ce que c'est. Ah, le clic Mioli. Je connaissais cette carte-là. De mémoire, elle prend... Si une carte magie de terrain est activée, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Et s'il y a d'autres cartes, s'il y a des cartes dans les deux zones de terrain, cette carte ne peut pas être détruite au combat ni par des effets de cartes. Tu peux utiliser son effet qu'une fois par tour. Durant votre tour, les effets de cartes... les effets de cartes face rectangle dans la zone de terrain ne peuvent pas être annulés. Et durant chaque tour... durant le tour de votre adversaire, les effets de cartes dans la zone terrain sont annulés. Ah oui, d'accord. Donc, un tour sur deux, tu protèges ton terrain. Franchement, c'est pas mal. J'avais vu cette carte-là quand je jouais à Sinister. Je m'étais dit, ça pourrait être pas mal. Je suis content qu'elle arrive enfin dans le jeu. Tac. Et on continue avec des cartes. Ah non, celle-ci, on l'avait pas encore eue. Escouade des coléotropes. Bon, est-ce qu'on va avoir, pour la première fois sur la chaîne, une Starlight? Ça serait quand même pas mal. Ninja pingouin qu'on a déjà eu. Jardin des pingouins. Insecte mangeur d'hommes. Claire pingouin. Et derrière, grand maître de l'épée, Shixiao. Vous êtes chiant avec les noms, franchement. Première secrète, voilà, ça fait plaisir. C'est du MEP. Et c'est sûrement l'archétype le plus attendu, puisque c'est un archétype qui va sûrement être méta. Donc voilà. Ah ben, là, je passe vite, mais on a un nouveau reptile, du coup, serpent de nuit de l'épée, un nouveau sushi, reconstruire et chute de l'étoile géante. Bon. Et ben, on a eu une belle petite secrète, ça fait plaisir. Colisie croisée, Sinette cascade, atterrissage des coléotroupes, Blackwood DMP, et derrière on a berceau jade de glace. Ajoutez un jade de glace depuis votre deck à votre main, nom différent des cartes que vous. Ah, bah c'est même pas une fois par tour. Ok, pourquoi pas, franchement ça peut être très cool. Et on continue avec les communes pour aller un petit peu plus vite. Tac. On continue, Sinette cascade, lancer cupide, insecte mangeur d'homme imitateur, le oiseau. Et derrière, on a de la MP, le Shu Shenjun. Ok, très bien. L'optiste hospice de la MP. Tac. Le toucan, lance piégée, le magique, les maléfiques et le flip gelé. Alors, du chevalier étoilé, qu'on n'avait pas encore eu. Très belle carte, franchement, ça fait toujours plaisir. Ninja pingouin, Sinette croix. Putain, j'arrive pas à le lire à chaque fois. Colisie croisée. Ok. La première carte qu'on a eue de l'ouverture, et derrière on a marqué de bonne humeur. C'est une carte pour du coup les marquer. Révéler un monstre fusion de niveau 8 du même type et qui a 2500 d'attaque. Ok. Révéler un monstre dans votre main et envoyer un monstre fusion de niveau 8 avec le même type à 1-1-1 qui a 2500 d'attaque ou de défense, de l'étradec au cimetière, et tu peux défausser un monstre révélé, ajouter un albaz. Ok, ça marche. Bon, ça, c'est une tuto pour les marquer, et c'est toujours une bonne carte marquée, car un archétype que j'aime beaucoup. Tout ce qui est marqué d'espire et compagnie, elle fait des trucs toujours très sympas, on le sait. Tac. Alors, la carte trop compliquée, Colt Street, le sushi, vol de nuit, et ici, on a, eh bien, tout simplement, Fuvagabombrise et Robina. Voilà, les noms, sérieusement, les noms. Du jet de glace, magique les maléfiques, cylindre de magie, et le seuil Borg. Bon, il nous manque une secrète, deux ultras, normalement. Colt Reptilia, Tracker Sonic, Chien Marie, Écuyer Pingouin, et derrière, on a Émergence MEP. Ajouter un MP du deck à votre main, ça c'est vraiment très fort. Et ça fait plaisir de la faire tomber, tout simplement, donc c'est une bonne chose. Chute d'étoile géante, et on termine avec les trois cartes assez classiques que l'on avait à la fin, des communes qu'on a déjà vues en grand nombre. Alors, Lancer Cupide, le Gold Knight, le Bête Rustre Téméraire, le Flingly, et derrière on a Descente Collée aux Troupes. Ok, donc on a fini avec les Ultras. On a eu deux fois deux Ultras collés, vraiment c'était assez incroyable. Invoquez spécialement un jeton, et si un autre monstre insecte sur le terrain, vous pouvez détruire une magie piège sur le terrain. Ok, très fort, pourquoi pas. Tac. Il nous manquerait du coup une secrète. J'ai pas parlé, mais normalement on a... Small World qui est dans cette extension, ça ferait plaisir également de faire tomber Small World, mine de rien. Et ici on a du Magic Lay, décidément les Magic Lay ont rarement de la haute rareté, enfin du moins ça fait deux fois qu'ils ont de la basse rareté.
Peut-être qu'ils auraient apprécié des monstres un petit peu plus costauds. Mais là, c'est un monstre tonnerre, donc peut-être qu'on peut partir sur des plaies tonnerre avec Magic Clay. Je n'en sais rien. Alors, oiseau transsonique, héritage de lumière, chien Marie exceptionnel. Et derrière, on a Taya de l'MEP, qui est sûrement une des meilleures cartes, puisque de mémoire, celle-ci permet de spé des tokens, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Tac. Et on termine avec ça. On a fait une bonne partie de la display, quand même, hein. Chevalier étoilé, signet cascade, garde des abysses, verrouillage magique clé et marqué en rouge qui était la première qu'on a eue. Je suis content qu'on en ait une deuxième du coup. Tac, on termine avec ça. Il nous reste. Alors attendez, je vais vous dire exactement combien il nous en reste. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous reste 5 boosters à ouvrir. Alors, jardin des pingouins, reptilia, bête russe, tracker et sommet sacré MEP qu'on n'avait pas encore eu. Tac. On enchaîne avec cette petite ouverture. Vol de nuit. Du sushi, tout simplement. Insecte mangeur d'homme imitateur. Garde des abysses. Et derrière, on a Vitrail de la lumière et des ténèbres. Ça, c'est vraiment un très bel artwork. Appliquez les effets en fonction des monstres que vous contrôlez. Si c'est des elfes, tu pioches jusqu'à 3 cartes. Ah, bah, c'est placer 2 cartes de votre main au-dessus de votre deck. C'est une charité gracieuse quasiment. Et démon, tu peux piocher une carte à ton adversaire, puis il défausse une carte au hasard dans sa main. Et s'il a toujours une carte dans sa main, il défausse une carte supplémentaire. Ok, super. Bah, pourquoi pas, tout simplement. Pourquoi pas. Tac, on continue avec ça. Il nous reste 3 boosters et normalement une secrète à faire tomber encore. J'ai vu, c'est une secrète. Ce sera pas une Starlight du coup. Je l'ai vu. Tac, elle est juste ici. Bon, je suis trop content. Mais c'est... Oh, je vous rappelle, j'ai fait une vidéo dessus. Je la voulais, putain. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Je suis tellement content d'avoir fait tomber cette carte-là. J'ai vu une fusion, je me suis dit, ah non, peut-être que ça va être un truc un peu du genre et tout. Peut-être que c'est pas ce que j'attendais. Et j'avais complètement oublié. Bon, il nous reste 2 boosters. Mais j'ai eu l'exécuteur Phoenix. Je suis... si content. Tac. Bah, troisième marqué en rouge. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On tombe sur que ce que je veux. Et on termine avec, eh bien, tout simplement, le dernier booster. Tac, je vous le fais vite. C'est ramification. Reptilia. Mais très sincèrement, alors, je vous prends juste cette partie-là. On a eu 4 ultras, dont 2 coléotroupes, 1 borel et, bien, tout simplement, 1 MEP. Et derrière, on a eu l'MEP, et ça, c'était une super display, quoi, tout simplement. On a eu le petit exécuteur phénix qui fait vraiment trop plaisir à voir. Et puis, on a eu quand même un beau paquet de cartes. Tac, je vous montre ça rapidement. On a eu 3 marqués en rouge. On a eu Taya, mine de rien, qui fait plaisir. On a eu pas mal de... Voilà, ça fait une carte qui est intéressante également. On a eu vaisseau amiral. Ouais, pourquoi pas, à voir ce que ça donne dans la méta. Et puis, du reptilia. Et on termine avec marqué en rouge. Ça fait trop plaisir. Je suis... trop content d'avoir eu cette carte là. Je suppose que j'ai crié un petit peu, j'en suis désolé, mais je suis trop content de l'avoir fait tomber. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, je suis extrêmement content d'avoir eu cette petite beauté dans cette ouverture. Je suis vraiment très content de l'avoir fait tomber. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette ouverture vous a plu. Il y a vraiment plein de choses intéressantes dans cette extension. Donc voilà, j'espère que... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, en tout cas, j'étais content. Il y a plein de cartes que je vais pouvoir relire, etc. Et je pense qu'on va pouvoir faire plein de belles choses avec. Et puis notamment avec ça. Franchement, je suis vraiment très très content. Je vous embête pas plus. Faites de nombreux duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!